La méditation sur la Vierge Marie. Le 30 mai 1862, Don Bosco eut un songe. Une vision prophétique. Il vit la mer, et là, rangés en ordre de bataille, des vaisseaux innombrables remplis d'armes de toutes sortes, livrant combat à un grand et majestueux vaisseau représentant l'Église, avec une lumineuse hostie, une statue de la Vierge Immaculée, et le pape en blanc lui aussi, à la proue du grand vaisseau. Ce sont les trois blancheurs qui soutiennent la foi catholique. C'était la méditation sur la Vierge Marie.